Bonjour tout le monde, c'est Mouvelle Moisy sur le quatrième épisode du coup sur Scooby-Doo Opération Chocotte. La dernière fois on avait du coup fait niveau 1, 2 et là du coup ça va être la poursuite. Poursuite dans les égouts apparemment. Donc eh bien, c'est parti. Pour la poursuite. Je sais pas contre qui on va être poursuivi, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on va être poursuivi. Et ça fait peur. Dans les égouts. C'est lui. Ouais, ça fait peur. Yes. On a eu un, parfait. Merde, oh merde. Scooby-Doo trop rapide. Ah bon, on perd pas vraiment quoi. Faut savoir que ce jeu là a été créé, le jeu de Scooby-Doo Opération Chocotte a été créé avant le jeu qu'on a déjà fait. Donc du coup on les a fait en sens inverse. Bon, c'est pas très grave en soi. Je pense pas que c'est le rapport avec l'histoire du code plus. Ça aurait été écrit Opération Chocotte 2 et pas Panique en Paris. Donc je pense pas que ce soit très très grave si on l'a écrit pas dans par rapport à ça. Parce que c'est fait par les mêmes développeurs. Non, mon truc. Ah, à droite. Bon, je l'ai où. Let's go. Techniquement, il y en a que deux, donc c'est bon. Déjà fini. Bien, c'est rapide. Tu parles d'une poursuite? Ah, c'était rapide, poursuite, frérot. Ah, du coup, là, on a eu les deux. Nice. Est-ce que c'est le boss, déjà? Ah non, niveau 3. J'ai rien dit. Niveau 3, ça se fait où, du coup? Dans le bâtiment derrière, ok, ça marche. C'est parti niveau 3, hein. Je pense qu'après ce sera le boss. Pour ça, vidéo, je pense. Parce que la poursuite, ça a duré 2 minutes, mec. Hein. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ça? Bien étrange. Ah oui, du coup, on ressort des égouts. On peut pas, genre. Non, on peut pas changer. Ah, encore les poupées. Oula. Oh non, c'est quoi ça? Dès des buzz éclairs. Oh mon dieu. Don du ciel. Ah, ok, donc c'est comme les sorcières, ok, c'est pareil, c'est quand même. Ok, donc c'est comme les sorcières, c'est pareil, ok. C'est comme les sorcières, d'accord. Oui, ils envoient des missiles carrément, ça n'a aucun sens. Mais vraiment. Allez quoi, voilà. T'as le bruit qu'ils font. Voilà. Par là. Merde. Oh bah c'est bon, en fait, on peut toujours monter. Ok, par là. Ouais, ah, c'est marrant, on peut faire ça. C'est horrible, on entend tout le temps le bruit des monstres en fait. C'est un gros bordel. Oh mais encore. Oh c'est quoi, c'est bon, faut passer autre. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de les tuer par rapport à ce niveau là, donc tant que c'est pas obligé, je vais pas le faire en fait. C'est pas très gênant. Hein. Ah
Franchement, pour un jeu sur PS2 qui date de 2009, du coup, celui-ci est vachement plus intéressant, quoi. Il faudrait sauter pour toucher celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Oh non, faut les tuer aussi maintenant. Ouais, c'est ça. Ah, après eux sont peut-être un peu plus simples à tuer du coup que les anciens, ouais. Au moins ils se mettent pas à voler dès le début, quoi. Donc, tu les enchaînes. Tu peux les enchaîner, ça c'est cool. Si on les enchaîne comme ça, en fait, ils peuvent courir très facilement. Allez. Ouais, c'est ça. Sauve-toi. Voilà. Finish him, ma gueule. Voilà. Des poubelles maintenant. Sérieusement. Ok, parfait. J'en étais sûr qu'il y en avait un là. Oh. Oh non, ça va être chiant ça par contre. Ouais, non, mais là, on est obligé parce qu'ils vont nous bloquer à chaque fois. Allez. C'est vrai parce que du coup on entend tout le temps le même bruit. C'est chiant. Oh putain. Ouah mec, j'ai eu peur. Scooby peut m'en prendre quelques-uns. Ça c'est Mike Cyrus là avec les boules comme ça. Comme le clip. Le temps de faire la comparaison là-dessus, ça n'a aucun sens. Levier, là-bas. Oui, j'ai vu le levier, merci. Ouais, ça faut pas baisser, j'ai un jeu pour enfants vu que ça date de 2009. Plutôt normal que c'est comme ça. Que merci, je suis quand même plus avec ça. Oh, mais que... Oh, vraiment. Ah, il y a une histoire de levier là à faire. Marrant. Ah, et du coup là on inverse à quel. D'accord. Et voilà. Ok, donc on a un symbole ici. Ah putain, quel teubé je suis. Et voilà. Merde. Quel abruti je suis. C'était en haut. Oh là là. T'avais pas futé hein. Il oh non. Faudrait sauter pour toucher celui-là. Non 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 non. Ouais, c'est ça. Sauve-toi. Bordel, ok. Ok, go, vite. Ça va au moins, ils sont pas très futés les ennemis là-dessus hein. Mais quoi? Pourquoi t'es descendu? Il faudrait sauter pour que je suis là. Ah mais en fait ça me bloque pas avec ça. Ça va là. Mais pourquoi tu redescends? Mais putain. Pourquoi je fais rond, tu redescends comme un gogol. Ouais, tu te mets. Voilà. Quand même, pas d'effort là. Vas-y. Et bon. Ah voilà. C'est dans les poubelles carrément. Ok, indice. D'accord. Donc là faut tout casser. Enfin si casse ça surtout. Belle. Voilà. Ça devrait nous aider. Ok, cool. Bon,
pourriez ce costume. Ouais, je pensais vraiment qu'il fallait attendre que le truc soit dehors pour qu'on ça. Ah, des Scooby Snacks. Hop, 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 et hop. Costume, Samy l'astronaute. Ah, oh, père. Samy l'astronaute. Marrant ça, hein. Du coup, à quel, hein. Oh, on va jusqu'où là? D'accord, un Ganis dans des pots de. On va pas assez trop prendre. Ah bon, c'est super, par là en fait, d'accord. Scooby va adorer. Oh, blague. Des snacks pour mon ami Scooby. Pas de moins parfait. Attention à ce que tu fais. Pardon, mais. Pardon, mais. Voilà. Allez, faut clapser. De merde. Des nounours. Du balai. Dernier ça dedans. J'en étais sûr. Catalogue de jouets. On dirait un catalogue de plein de jouets terrifiants. Scooby, Samy, vous me recevez? Okay. On se dirige vers la fabrique de jouets. C'est de là que viennent les jouets. On a trouvé un catalogue et ils sont tous dedans. Ils doivent bien s'amuser ici à Noël. Sans doute. Rendez-vous à la fabrique de jouets. À tout de suite. Oh mon dieu. Allez, vite, 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 vite. On y va, on y va. Cinématique. Qui est là? Montrez-vous. Bonsoir les enfants. Soir, soir. Ouais, bonsoir, soir, à vous aussi. Taylor, que je m'appelle. Aimable citoyen. Complètement sans esprit. Pas tellement, non. Ravi que vous le pensiez. Ah, le fabricant de jouets. Un homme admirable. Bah, c'est on lui. Raconte qu'il pourrait fermer le parc d'attractions. Ça n'arrivera pas. J'ai pas eu le temps de faire un tour de manège. Donc, le fabricant de jouets? Tout le monde le connaît ici, tout le monde l'aime. En gros, le héros de la ville. Il devait y avoir une statue, mais ce n'était pas assez ressemblant. Pouvez-vous nous conduire à la fabrique de jouets? Si vous pensez que je le peux, alors je le ferai. Par ici, mes gentils amis, suivez-moi. Psst, là-haut. What Quoi? Où est-il passé? Il était juste là. Peu importe, allons voir cette fabrique. Cette ville est pleine de types bizarres. Pas blague. Ici Daphné, Vera, tu es là? Ici Vera, qu'est-ce qu'il y a Daphné? À toi. On vient de rencontrer un type super bizarre, Tim Toiler. Il lui manque une case. Tim Toiler. Oh, et notre jeune vigile fait le plein de munitions. Tu as encore croisé numéro? Oui, mais je n'ai pas eu le temps de lui parler. Ouais, ça doit être lui. On se dirige tous vers la fabrique de jouets. On se retrouve là-bas. D'accord, à tout de suite. Terminé. Bah. Youhou! Oh, attends, il y a un truc là. Comment je fais là? Comme ça. Et hop là! Oh non, il y a encore des monstres ici, sérieusement. Non, 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 non! Oh putain! Oh, j'ai cru que j'étais tombé bien bas. Genre littéralement bien bas. Ah oui, effectivement. Oh! Wouah, mais. Là, ils abusent. Ah, mais bien sûr, mais fais-moi tomber, abruti! Ah, mais merde! Ils font tous tomber là-dedans, c'est incroyable! Lâche-moi, bon sang! Merci! Je veux la fabrique de jouets. Laisse-moi en paix. Oh putain! Oh non! Putain! Mais quel teubé! Elle est tombée comme un idiot là!
faudrait sauter pour toucher celui-là. Allez. C'est de ma faute. Je déteste, mais il faut vraiment les tous les tuer en fait, c'est horrible. Il ne rigole pas. Alors ça va, c'est où? Ouais, c'est ça, sors-toi. Attaque aérienne. Terminé. Là. Terminé. Le truc est au-dessus. Allez, dernier, dernier, dernier. Putain. Non. Enfin! Saute! J'en étais sûr! Monstre! Avec un coup là-dedans. Ah putain! Mais qu'est-ce que tu fous là? Allez, go! Ok, go! Qu'il fait quand il pousse ces trucs. Ça me termine. Ah, on a fini ? Déjà ? Et on c'était rapide. On n'a pas eu de trophée. Au moins on a eu le indice et le costume. C'est déjà ça. Niveau 4. C'est parti. Il est où du coup? Ah, donc là on est vraiment à la fabrique de jouets quoi. D'accord, niveau 1 c'était ça, niveau 2 c'était ça, niveau 3 la poursuite du coup c'était là-dedans, niveau 3 c'était là, et du coup niveau 4 c'est la fabrique de jouets. Ok, et après ce sera le boss je pense. Bon, ça va, on le fera dans le même épisode. Ah, du coup on joue sa Miss Scooby. Ah, du coup il est vraiment une de quoi. En fait, c'est des signes qui sont différents, parce que ça ne sert pas grand chose, je pense. Ah si, regarde comment il saute! Ah non, c'est juste double saut, ok. C'est double saut, du coup, c'est comme ça. Ah, c'est stylé en vrai! Ah, c'est stylé de ouf! Carrément, sur des ballons, il est trop gonflable. Ah, c'est trop stylé! Bon, on est pas obligé de les tuer après, c'est juste comme ça. Waouh, 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 wow. Merde! Oh le con. Allez! C'est ok. Si c'est bon pour Scooby, c'est bon pour moi aussi! Allez! Wahoo! Oula! C'est un nouvel ennemi ça? Vous savez faire beaucoup d'ennemis. Nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, je peux bloquer. Ah, c'est avec nous là. Allez, allez, allez. Ça c'était rapide en vrai. Hein. Ah.
préféré le liquider, c'était mieux, je pense. Attendez, non, vraiment, mais maintenant. Oh putain. Oh, mais. Ah, alors, du coup. Oui, donc ce fameux coffre à costume qu'on doit trouver. La mission en fait c'est de trouver un coffre à costume apparemment. C'est pas là. Ah mais bordel, je suis bloqué là. Mettre la tête. Trouver. Bas, bas, droite, haut, haut, haut. Voilà, costume débloqué. Daphné la rockstar. Ah carrément. Donc ça ouvre la porte. Waouh. Oh non, combat. Oh non, là c'est combat de ouf là. Wow, mec, ils abusent. Allez, enchaîne, enchaîne. Garde-moi. Ok. Ok. Allez. Encore. 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 Mais bordel, c'est bon. Calme mon pote. Il va mourir, c'est possible. Je crois qu'il faut juste faire rond en fait. Ah peut-être en vrai. Ils ont même pas le temps d'attaquer. Attends, j'ai pas vu qu'après ce sera terminé. Il reste qui? Attends, mais vraiment il est bloqué là? Ça marche aussi. Ah, le dernier était bloqué, c'est n'importe. C'est bon, on a réussi. Oula. Ah putain. Non mais vraiment. Oh putain, mais je peux pas avancer. Oh merde! Non! Putain! Oh! Ce truc, on dirait le truc dans Toy Story qui fait flipper à mort. What the fuck? Ok, 1 sur 2. Ah oui, c'est toi qui fais le barbecue, ok. Ah si, ok, fallait le tuer après, d'accord.
trucs là. Voilà, 1 sur 2, c'est bon. C'est pour arrêter la fabrique de jouets, d'accord. C'est bon, on a réussi. Du coup, maintenant faut les tuer. Oh, non. Oh, l'animation avec le costume comme ça, c'est trop stylé. En tout cas, c'est bien foutu, ça c'est sûr. Bon, ça marche aussi de le mettre dans le vide, hein. Et voilà, est-ce que c'est terminé? Non. Bon, on est où là? On se voit plutôt dans Batman avec le truc liquide comme ça. Ah, faut qu'on trouve les indices là. Ok, donc là c'est indice, ça marche. Ah, mais c'est de l'eau, d'accord. Juste de l'eau verte quoi. C'est pas un liquide acide ou autre. Heureusement que non. C'est pas mal d'indices, donc en vrai, c'est pour ça. Super Scooby! Ok, on a un indice ici, parfait. 4 sur 6. Il nous manque encore quelques. 1. C'est le jeu. Ah putain! Quoi? Mais merde! Oh! T'as attardé mental. Putain! Mais. Eh, c'est bon, merde, hein! On peut pas passer, y'a un mur! Mais on peut pas passer! T'es débile! Mais putain! Oh mais putain! Écrasé carrément! Super! Allez! Putain! Je fais le saut là! Fantasse! Oh mais! Tu te fous de ma gueule! Depuis là ta grand-mère! Ta mère! Et le jeu il marche pas là! T'as pas enfin! Et quoi? Mais. Mais j'appuie là, putain! Je veux le jeu! Regarde! Super Chabi! Ouais, c'est super débile surtout, ouais. Je te jure. En même temps, fallait aller là, débile. Moi aussi, être débile, quoi. Voilà. Et le festin commence! Attends, mais c'est sérieux, c'est pas là? Bah attends, mais c'est par où alors? C'est pas là? Bah, qu'est-ce qu'il manque d'autre alors? What? J'ai eu tous les putains d'indices là, c'est une blague! Non, mais arrêtez pas. Putain! J'aurais pas raté hein, ici par hasard. Non. Non, j'aurais vu sinon. Ah là, je vois pas où c'est. Ah ouais, là par contre, je vois pas du tout où ça peut être. Il y avait ici, il y avait là. Ah là, derrière, putain! Ouais, fallait le voir. Oh putain! Aux deux formes du fabricant de jouets facilement le plus chouette des chapeaux. Tu l'as trouvé dans la fabrique, bien joué. Putain! Fallait le trouver hein. Ah, je te jure, pour le trouver faut y aller hein.
Donc c'est le chapeau du fabricant en fait. Un levier ? Allez, ensemble ! Ah non, mais c'est juste comme ça, ok. On fait comment alors ? On peut même pas y monter ? What ? On peut même pas y accéder ! Il y a un mur là, monsieur. What ? Ah, bah oui ! Oh, accroché. Je suis débile hein. Un levier ? Allez, ensemble ! Voilà ! Ah, quand même ! Daphné ! Réponds, Daphné ! Qui c'est Daphné ? Qu'est-ce qu'il y a, les garçons ? Scooby a trouvé un chapeau hyper cool. Tu crois que c'est un indice ? Un chapeau ? Quel genre ? Un grand ? Samy, tu es un génie ! C'est le chapeau de Tim Tyler ! Mais que fait-il dans la fabrique de jouets ? Il doit avoir des ennuis ! Évidemment qu'il a des ennuis. Si je perdais un chapeau comme ça, ma mère me tuerait aussi. Allô ? Très drôle. Non, je devrais dire qu'il est en danger. Essayez de le trouver. Oh, le suspens, il fait dégueulasse là. Oh putain, vraiment c'est fini. Hein. Le bordel. Ah, laisse-moi finir ça, s'il vous plaît. On va remonter là-haut, c'est pour quelque chose. Enfin, c'est pour continuer quoi. Merci au jeu. Ah ok, c'était pour ouvrir ça. Nickel, allons-y. Oh, m'en fous, je passe. Holy shit. Allez. Oula, je sens le... Oh là, ça va être chiant. Oh, oh non. J'en étais sûr. Allez, c'est encore un truc de vague. Oh non, c'est eux! Oh, faut tuer tout le monde en fait! Oh là là! Oh putain! On peut les tuer eux! On peut! Coupez deux d'abord, ok. Allez. Pourquoi il veut pas l'enlever son petit ?
ça marche pas dans le bouclier. Enfin. Allez, maintenant c'est bon, on pourra les déglinguer. Ils sont chiants à faire ça eux. Oh putain. Oh là là. Oh vache. Alors t'es mort. Putain. Il y a des droites, oui. Ouais. Bien sûr, ça doit être tiré de moi en fait, au final. Enfin! Oh non! Ah, je me dis, on a fond tout le monde! Allez. Allez. D'accord. C'est bon. Oh la vache. C'est la fin du niveau. C'est la fin du niveau. Enfin. Putain, il était long hein. Vache. Tu parles d'un niveau mec. Ah c'est le boss, c'est obligé. Allez. Du coup le boss c'est... C'est pas où c'est en fait. On sait même pas où ça va être le boss. C'est parti. Ah, ça va être un plus long épisode celui-là. Déjà on commence avec ça, j'ai peur. Bah, oh, oh, bah, oh, bah. Ah, on l'a activé. Ok d'accord. Casser ses bras, d'accord. Wouah mais mec t'es sérieux? Putain mais casse les murs de faire ça. Mais quoi? Mais mec il m'explose à chaque fois. Oh il casse un bras. Yes. En fait ça te fait repousser ça. Ah mais faut faire ça d'accord. Ok. Deux de moins. Ah, faut que je close. Oh là, attention à ma coiffure. Putain. Oh mais merde. Putain. Ok, un de moins. Le dernier.
qui est le moins cassé. Et c'est bon. D'accord. Wouah, bébé. Encore plus loin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, faut lui mettre des missiles dans la gueule, ok. Si, bien compris. Ça fait mal. Mais putain, il a pas envoyé. Pourquoi faire quoi? Putain, mais mise en base comme ça, ça a pas l'air de marcher hein. Putain! Ça marche pas. Je comprends pas, faut l'envoyer où? Oh, ça plombe au-dessus. Il fait. Là, je comprends pas en fait. Elle est réussie, mais je comprends pas faire quoi? Je fais ça, ça me l'envoie dessus. Putain, je comprends pas. Faire quoi? C'est un peu logique. Super 2, c'est pas ça. Je comprends pas, putain. Ta mère, c'est quel bouton? Oh putain. C'est quel bouton, merde? Écran, c'est une blague. C'est rond, voilà. Putain, sa mère, c'était rond. Mais quand je fais rond, ça marche pas. Ah voilà, enfin. Oh, quand même. Mais il reste dessus, ce con. Merci. Ah, quand même. Il en fait plus là. Allez. Oh putain. Et quoi, mais tu t'es carrément. Ah! Dernière phase. Oula. Ah, vous envoyez des missiles dans la gueule là. Je pars que rond en fait. Allez! Presque dead! Oui! Maintenant, c'est bon, il est dead! Oh non, encore une, dernière. Non, ça n'a pas marché. Oui, c'est bon. Et c'est fini. Yes. Oh la vache. Donc, maintenant, faut trouver qui est le coupable. Ça peut pas être lui. Non bah déjà lui il s'est fait attaquer dès le début, donc on le sait que c'est pas lui. C'est entre Numéro et Tim Toiler. Parce que Tim Toiler, en vrai on l'a vu quoi, une fois en fait.
Ah, il fait une fois en fait, Nittler. Alors que numéro, lui. Ah, il fait quand même. Ah, il est un peu peureux quand même, hein. Ah, il est un peu peureux. C'est entre les deux, c'est obligé. Numéro, il a fond sur les gadgets. Mais le truc, c'est que lui, c'est sa fabrique. Ah, je sais pas, hein. En vrai, numéro, ce robot, ça fait plus gueule numéro. Donc numéro. Voyons si cette terreur mécanique a un maître. Non, c'était pas numéro. Eh oui, Tim Tyler, le fabricant de jouets. Oh. Super surnom. Putain, c'était pas Tim Tyler. C'est très simple, monsieur Smithers. Depuis l'ouverture du parc d'attractions, les enfants étaient trop occupés avec les nouveaux manèges et les jeux vidéo. Monsieur Tyler en mourait de jalousie. Plus personne ne voulait s'amuser avec ses jouets. Ouh, moi je sais où j'irai. Parce qu'il n'y a pas de saucisses dans les stands de jouets. Alors il a décidé d'envoyer des jouets terrifiants pour chasser les visiteurs du parc. Et son plan aurait fonctionné si vous n'étiez pas intervenus, les jeunes. Ouais, merci. Ne nous attribuez pas tout le mérite. Vous savez, on nous a bien aidés, monsieur. Ouais, qui était mieux placé pour attraper un affreux fabricant de jouets que son ancien apprenti? Oh! L'ordre est rétabli. Alors je vais fabriquer de nouveaux jouets. Super! On reviendra voir ça. Pour l'instant, on va aller voir ça. Scooby-Dooby-Doo. Non, c'est sérieux là. Ah bon, malheureusement, j'ai pas pris la bonne personne. Mais c'est vrai que ça faisait plus trop robotique que jouer en fait. Ah, du coup, on a pas le masque de monstre vu que j'ai pas réussi à trouver le bon. Ah. Après, pour toujours faire les niveaux, c'est pas très grave. Et du coup, épisode 3 déverrouillé. Bon, bah du coup, voilà, on a déverrouillé l'épisode 3, du coup on va s'intéresser du coup pour ce quatrième, je crois, quatrième, ouais, c'est bon. Donc quatrième épisode du coup sur le Let's Play sur Scooby-Doo Opération Chocotte. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, à plus tard pour d'autres vidéos. Bye bye.